avoir des clients, voilà. La recette d'avoir des clients, les clients vont faire l'embouteillage chez toi. C'est la recette là qu'on va partager aujourd'hui, d'avoir beaucoup de clients. Parmi nous, il y a des gens qui ont leur commerce, leur boutique, mais vraiment, ça ne marche pas avec eux. Leur boutique, ça ne marche pas, il n'y a pas de clients. Donc, vous savez, ce n'est pas facile. Si les clients ne viennent pas, comment on va payer la famille? Donc, la facture là, c'est beaucoup. Donc, avec cette recette, c'est très simple. C'est des aliments. J'avais fait une fois là encore, voilà encore une manière aussi, encore la famille. Donc voilà, vous allez faire cette recette, vous serez content avec la famille. Vous allez avoir toujours bien. Les clients vont faire l'embouteillage chez vous. Les clients vont bosquer avec chez vous la famille. C'est très important. OK, la famille? Donc la famille, voilà, vous allez voir la recette que je vais partager aujourd'hui, mes chéris. Très important, la famille. Très bien, mes chéris. Ça aide beaucoup la famille. Ça va vous faire vraiment votre commerce, votre boutique, votre atelier. Partout, quand même, si c'est la rentrée que vous allez avoir vraiment de payer vos financiers, ça va vous aider. Les clients vont venir taper la porte, pas grâce à Dieu, la famille. C'est des recettes très simples, naturelles. Voilà, la famille. Notre recette est basée de quoi aujourd'hui? C'est le clou de girafe, la famille. Donc, voilà, la famille. Qu'est-ce que vous allez faire avec le clou de girafe, la famille? Vous allez faire le clou de girafe, la famille. Voilà. Voilà, je vous montre le grain de clou de girafe, la famille. C'est pour les clients, avoir beaucoup de clients, avoir l'embouteillage chez toi. Donc, la famille, c'est le clou de girafe, ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec le clou de girafe là, la famille? Vous allez prendre le nombre de ton âge. Par exemple, quand tu as 30 ans, tu prends 30 clous de girafe. Quand tu as 20 ans, tu prends 20 de ça. C'est ça que tu vas écraser. Donc, on va commencer. Voilà la famille. On va voir. Voilà. 2, 3, 5, 5, 7, 6, 9, 11, 18, 20. Donc, la famille, j'ai mis 20 clous de girafe. C'est un exemple que je vous donne, la famille. Voilà, si ça trouve que tu as 20 ans, tu mets 20 ici. Si ça trouve que tu as 50 ans, tu mets 50 ici. Donc, j'ai mis 20. Donc, voilà, je vais écraser le 20 là. Donc voilà la famille, voilà mes chéris, j'ai déjà écrasé, j'ai fait en poudre la famille comme vous le voyez. Donc la recette va continuer, vous allez voir mes chéris, j'ai écrasé le clou de girafe en poudre. Donc voilà, je vais mettre le poudre là ici, vous allez voir, voilà. Donc le poudre là, vous allez faire ici la famille, vous allez voir comme ça se passe la famille. Vous allez utiliser la beurre de karité, oui beurre de karité la famille, vous aurez besoin. On aurait besoin de beurre de karité pur, le bon beurre de karité, voilà, le pur beurre de karité, la famille. On aurait besoin de ça, la famille, le pur beurre de karité. Donc voilà, j'ajoute le bon beurre de karité, comme vous me voyez, la famille. Vous allez ajouter ça ici, la famille. Vous le voyez, non? Vous ajoutez le bon beurre de karité. Qu'est-ce que vous allez faire, la famille? C'est très bien, c'est très important, la famille. Vous allez ajouter quoi, la famille? Le miel, voilà. Comme vous le voyez, le miel. Comme vous le voyez, la famille, vous allez ajouter le miel, la famille. Vous allez ajouter le miel pur, le miel naturel. Voilà, vous ajoutez ça, une cuillerée de miel naturel, la famille. Donc voilà, j'ajoute le miel, comme vous me voyez toujours. Voilà, on ajoute le miel, la famille. Comme vous le voyez, la famille, c'est pour attirer les clients, pour avoir toujours de bonnes clientes, avoir toujours que ta boutique ou ta magasin, partout que tu ventes là, ça va être actif, la famille, c'est ça, la famille. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter, la famille? C'est l'huile d'olive que vous le voyez comme ça. Vagin, l'huile d'olive. J'ajoute ça aussi. Une demi-cuillerée de ça aussi. Vous allez voir, la famille. Donc, voilà, la famille. Juste ça, c'est les trois ingrédients que vous le voyez toujours, la famille. Ok, mes chéris? Le quatrième, c'est ça. Voilà, c'est le clou du girafe. Donc, voilà, le quatrième clou du girafe. Donc, la famille, je vais faire le mélange comme vous me voyez comme ça, la famille. Quand je fais le mélange comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer, vous allez la faire garder dans l'obscurité là, dans l'obscurité jusqu'à 8 jours. 9e jour, vous allez commencer à utiliser le matin bonheur. N'oubliez pas de parler vos vœux. Quand vous allez faire déposer au l'obscurité là, parlez vos vœux, après vous allez déposer là-bas. Donc vous allez garder 9 jours là, vous allez commencer à faire garder à quelque part de l'obscurité là où personne ne voit pas.
9 jours là, vous allez commencer à utiliser à même votre pomme là. Le matin, avant de sortir le matin, vous allez faire, vous allez parler vos vœux, vous allez parler vos vœux, vous allez faire avec votre main et vous allez passer encore avec vos visages encore le matin. Ok, la famille, avant que tu sortes de la maison, tu pars dans la boutique, tu passes avec ta main de pomme là. Fais ça, vous allez venir me pointer ici, la famille. Ok, merci bien. Merci bien, c'est une recette très bien qui nous aide beaucoup, la famille qui va vous aider beaucoup par grâce à Dieu.